Bonjour monsieur. Bonjour ma soeur. Vous allez bien? Je vais très bien, oui. S'il vous plaît, présentez-vous. Ok, moi c'est Traoré Abla Fatmata, le principal du collège Guipé. D'accord, nous sommes là aujourd'hui pour vous, pour nous renseigner sur l'avancement des programmes. Quelles sont les statistiques jusqu'à ce niveau? Par rapport à l'état d'avancement des programmes, au collège Guipé, nous sommes autour de 77%. Ça c'est de l'école normale, on devait être à ce niveau là maintenant là. D'accord, est-ce que vous êtes rassuré de terminer les programmes d'ici le début des examens? Mais bien sûr, au collège Guipé ici les enfants ne sont pas, les projets ne sont pas, donc nous comptons terminer le cours d'ici la fin. Donc vous êtes sûr et certain quand même de pouvoir répondre au rendez-vous du mois de juin? Pour le moment j'ai une certitude absolue, pour le moment. Et au niveau du collège, vous dites bien sûr que vous êtes le principal du collège. Oui. Combien de candidats avez-vous présenté nous avons cette année? Au moins, on a 470 candidats à présenter. Mm-hmm. Donc dans ça, on peut trouver aussi des absents. Mais tout ça, là, pour le moment, c'est ça. Ça c'est les statistiques. On n'a pas fini d'abord avec les photos. Après les photos, nous pourrons tirer maintenant les chiffres réels. Mais c'est autour de ça. Est-ce que les élèves savent c'est où leur centre et tout? On a affiché la liste avec le centre. D'accord. Okay. Est-ce que vous avez donc un message peut-être à lancer à l'endroit des autorités de l'éducation? Moi, je dirais seulement, je lance un appel pressant aux parents d'élèves de prendre les responsabilités. Mm-hmm. Nous sommes là pour encadrer les enfants dans l'école de l'école. Ils ont un grand rôle à jouer, mais les parents ont abandonné les écoles. C'est donc, ça le problème. La démission parentale. Les parents ont démissionné. Okay. Il y a des enfants qui disent qu'ils vont dans les écoles, mais ils ne vont pas dans les écoles, ils restent dans les quartiers pour continuer à faire du n'importe quoi. Ça, c'est le rôle des parents de venir voir est-ce que les enfants viennent à l'école. Notre rôle, c'est de former, d'éduquer les enfants à l'interne, les enfants qui sont dans la salle de classe. Mais à l'externe, ça serait un peu compliqué pour nous. D'accord. Merci beaucoup. Merci ma soeur, merci beaucoup. Oui.